Allez, on y va, Jay Silent Bob. Allez, Silent Bob! On t'attend! Oh là là! Et c'est parti! Pour la folie! Jay Silent Bob! Contre leurs ennemis! Oh, cette projection de la folie de la mort, quoi. Ce sang répandu sur le sol. C'est vraiment démesuré comme cimetière, quand même. Comme tombe. Coup, je me rappelle qu'il y a un secret dans cette salle. And we spoke before on the road of sacrifices. I'm well pleased to see you safe. We reached the Cathedral of the Deep, but Aldridge's coffin was empty. No. The man-eater must have left for his true home. The little doll in the empty coffin told me. Aldridge is said to hail from Irithyll in the Boreal Valley, an ancient fabled city.
A pilgrim told me that the city lies beyond Farron Keep, and so becomes our destination. Okay. Aldridge is honest, a pilgrim, and so... Ça, c'était une défaite. Tromper d'escalier, ça, c'est la défaite. Aha, Baldrick, so... Ouais, mais aucun de ces deux-là ne m'intéresse, quoi. Il n'y a pas de magie et c'est pas une épée. Welcome home, speak. Very well, then talk take Nari. Let these souls withdrawn from their vessels, manifestations of disparity, elucidated by fire, burrowed deep within them, retreating to the darkness beyond the reach of flame. Ashen One, sovereignless soul, I will show thee how, Ashen One. Very well, then take nourishment. Prends rien du tout, hein. T'arrêtes maintenant. Mais vilaine. Bon, sinon, comment tu vas, Doudoué? Et non, ça sent pas tellement la défaite, en fait. Je suis mort 2-3 fois, c'est un Dark Soul, hein, donc... Mais somme toute, non, ça se passe bien. J'ai vu, ouais, t'as lancé Ami des Villes. Ah, j'ai Steam d'allumer, donc je vois 2-3 noms passer. You haven't given up yet. You can make better use of this. I don't need it. The unsworn by a joyous bunch, gaining admission to the Legion is a matter of some inside their keep. Snuffing out the flame, even accursed undead want to believe they're special, it seems. I pity the sorry souls. Ah, forcément. Ça donne beaucoup moins envie d'un coup. On le trouve pas avant l'anneau du marais là pour marcher dans le marais correctement. C'est un peu triste. Hein. Toi, tu vas me dire que ce serait peut-être trop facile. Bah, les niveaux sont trop grands dans un jeu d'exploration en 3D, ça me semble être un bon truc, non? Ouais, il me semble.
C'était un gros problème à l'époque, hein. Toutes les suites étaient toujours moins bien que les originaux. Et que Resident Evil 2 hein, qui passe la barrière. Hein. Encore pas pour tout le monde. Hein. Je crois que j'ai pas d'herbe anti-poison, j'aurais dû en acheter avant de partir. Bah il est mieux, non, c'est un problème de gameplay assez évident, c'est ce que tu me dis. Si les objets sont pas clairs et que les niveaux sont beaucoup trop grands pour ce qu'il y a dedans, c'est un gros problème. Pour toi, et qui la valeur d'un jeu est plus proche de la du gameplay qu'autre chose, quoi. Oh, on va être empoisonné. Faut en faire notre deuil. Évoluer c'est bien, mais s'il y a, des grosses failles de game design, c'est pas cool quoi. Ouais, les petits indices à la Mario 64 ou les choses comme ça, c'est des choses qui sont nécessaires dans un game design, tu vois. Comme dans Dark Souls, hein, la présence de ces feux n'est pas au hasard quoi, je veux dire. Ils sont là pour t'indiquer quel chemin suivre. Outre le côté design du machin. Surtout là pour te montrer quel chemin suivre. Je me rappelle comment on fait le coup de pied parce que ça commence à me gonfler. Non, ça c'est l'attaque. C'est dur pour me rappeler qu'il fallait appuyer sur avant avec le coup simple. En même temps, t'aurais pu lire le tuto, Baka. Bah, au début je voulais faire Demon's Souls et en fait j'avais pas la Play 3 de prête. Du coup j'ai mis Dark Souls 3. Parce que le dernier qu'on a fait c'était Dark Souls 1. Le remaster du Dark Souls 1, du coup je me suis dit que c'était dommage de refaire du Dark Souls 1. J'aime pas trop Dark Souls 2, principalement parce qu'à l'époque on m'avait cassé les couilles avec et on m'avait guidé tout n'importe comment.
Mais si, Michael, il faut passer à droite, au niveau du phare, c'est par là qu'il faut avancer. Et quand ça avait commencé à me gonfler, le jeu, il était déjà perdu pour moi. Bon, je l'avais fini. Hein. Mine de rien. Il est bien, Dark Souls 2, mais... Enfin, on sortait de Demon's Souls et de Dark Souls 1, le backseat. C'était l'époque où je pensais encore que les gens étaient gentils et grands sur Internet, tu vois. C'était des gens qui m'avaient suivi depuis Dark Souls 1, je me disais, bon voilà, il y a moyen qu'on rigole 5 minutes. Et au final, c'est quand j'ai arrêté d'écouter les gens et que je suis parti vers la forteresse... La forteresse de base, quoi, la première, hein, que là, on a commencé à faire le jeu, quoi. Mais bon, on avait déjà passé 2 ou 3 heures à tuer les gardiens dragons, là, à côté du phare, pour se retrouver devant un vrai dragon, qu'on n'avait même pas tué, d'ailleurs. On l'avait tué plus tard avec la... Avec les flèches empoisonnées, je crois. Faut que je trouve un moyen de faire fonctionner Master Level of Loom 2 sur Z... Je sais pas c'est quoi. Mais bon, tout ce qui touche à Doom a une grosse communauté, donc je m'inquiète pas, tu devrais trouver quelqu'un pour t'aider. J'imagine que c'est un mode spécial pour faire des cartes ou une connerie comme ça. Les master level. C'est bizarre hein, parce que moi j'ai de meilleurs souvenirs de Doom 3, tu vois. Même parce qu'il y avait une vraie histoire. Moi je suis plus histoire à la fin. Donc. Faudra qu'on fasse le Doom 2016, là, 2017, je sais plus. Ah, c'est des officiels. Bah, du coup, tu peux pas les installer normalement. Il faut acheter vos jeux, monsieur. Putain, j'ai un bouton ou je sais pas quoi là sur le nez. C'est tout rouge, quoi. On dirait que j'ai picolé depuis hier. Et pourtant, j'avais déjà pas picolé hier. Et je l'ai regardé ton stream sur Doom, c'est m'étonnant. Ouais. Je pense pas avoir streamé une seule fois du Doom. Quoique. Ah, Master Level for Doom 2. Ah! Eh ben, t'aimes bien mon Steam? J'ai rien à cacher. Hein. Il y a beaucoup beaucoup de jeux que j'ai pas lancés. À l'époque, je profitais beaucoup des... Comment ça s'appelle? Pas GOG. Enfin, des clés gratuites ou des lots de clés.
Wink, 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 wink. Cinématique. Et là, les portes s'ouvrent. Il a eu quand même le coup. Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Mais au moins je l'aurais tué, cet enfoiré, avant de mourir. Faites compteur de mort, non.
On a dépassé ce niveau quand même, les gars, arrêtez. Je comprends pas d'ailleurs, il n'y a pas de compteur de mort interne. Mais j'ai encore deux fioles moi. Ah mais non en fait, je vais pas mourir. On est tranquille. Bah ouais, c'est un peu débile. C'est pas la fin du jeu d'ailleurs où il t'indique le nombre de morts que t'as eu. Con, en plus j'allais aller au prochain sauvegarde, j'aurais dû aller là-bas tout de suite vu qu'on est en chemin pour y aller. Est-ce qu'on se tente 2-3 niveaux, 2-3 passes avec les gardiens ou pas? Les gardiens des abysses, à trop regarder dans leurs ténèbres, ils se sont perdus. J'ai cru voir une âme, mais je vais peut-être... Oh, je me fourvoie. Non, regardez, il y a bien un truc. Voilà. Et moi tranquille. C'est quoi? Je vais faire une pause de 2 minutes et je reviens et on fait 2-3 essais sur... Dommage. Je reviens dans 2 minutes.
dire. J'aurais dû me TP avant d'y aller. Deux écailles de titanite, pas mal. 31 000. Ah, ça vaut peut-être le coup de faire un ou deux combats pour avoir assez pour monter 3 niveaux. Je crois que mon niveau actuel est à presque 12 000, il faudrait monter à 35. Il faudrait qu'on fasse le tour des marais. Dague de Gurus. J'arrive pas à me rappeler si c'est de la chance ou pas de l'avoir looté direct. J'adore ce son de métal hein, quand t'approches, ils sont en train de se battre à l'intérieur. Là tu le sens, là tu le sens le... Le fait qu'il y ait un problème et que les mecs sont en train de se déboîter la gueule, quoi. Les chevaliers noirs qu'on perdu ? En sérieux ? Faut pas arriver tous les jours. Allez, on monte un ou deux niveaux, on fait un test sur les nos copains, les chevaliers des abysses, hein. Les abysses voitures. Well, speak that. Very well. Then Tothek Nari. Oui, je vais toucher aux profondeurs de tête noirceur. C'est
T'as testé de choper leur épée? Il suffit d'avoir leur âme pour leur épée. Moi, je l'ai pas fait avec l'épée des ténèbres, je l'ai fait avec l'espadon d'Astora, je l'ai fait à la magie, avec une rapière magique d'ailleurs. Je l'ai fait au double katana, je l'ai fait à l'Ushigatana aussi. L'Ushigatana c'est sympa, mais ça a ses limites quoi. À l'espadon d'Astora, j'avais fait aussi, c'était sympa. Et je l'avais mis en lumière, je crois. L'Ushigatana c'était grave cool. Le katana c'était plutôt cool. J'avais fait une partie avec la double épée là des Abyss Watchers là avec le couteau sur le côté et tout, c'était sympa mais le set le mouvement me plaisait pas quoi. Ça ne me convenait pas. D'ailleurs c'est pas l'épée qui me donne le plus actuellement, c'est l'épée longue. Be careful. Ah putain, mais il nous reste 10 000 âmes quoi. Oh, Chad, do you wish to... Ouais, mais l'épée des ténèbres, du coup, tu l'as chopée ici, tu vois, donc t'avais déjà fait la moitié du jeu quoi. Pas la moitié, mais t'avais déjà fait une bonne partie du jeu. Ah, moi aussi, je suis tellement désolé. Ah là, j'ai pas fait dans Bloodborne. Dans Bloodborne, j'ai fait la... Oh, hello. Oh, it took some prowling. Go on. Une épée, ouais, c'est une épée, mais bon, c'est pas une épée, quoi. Un peu chier d'acheter ça. Plus que rien. La masse. Ah, l'épée bâtarde, ça aurait pu être cool aussi. Ah, parce que j'avais dit qu'on partait sur une run chevalier. Et ça, c'est un espadon, donc c'est pas possible. Goodbye. Avec une version pas dégueulasse d'os. Eh, c'est des vieux jeux, hein. Et puis les mecs, ils aiment bien jouer à l'ancienne. Hein. En général, ils émulent un petit Windows 98 ou un Windows 95 pour jouer, quoi. C'est vrai, quoi. Je suis sûr qu'il y en a qui jouent encore sur des machines qui tournent sous 95. Même pas une émulation, hein, une machine. Quoi.
Des maps officielles rajoutées à la ZOB. Ça ressemble vraiment pas. Vraiment pas au créateur de Doom. Ah, voilà. Ah, y a rien de pire qu'une version Steam. Alors là, franchement, y a beaucoup de gens qui adorent Steam, qui le vénèrent et tout. Steam s'est jamais mis à jour correctement. Les jeux qui plantent, ils continuent à planter 15 ans plus tard. Et à être vendus toujours au même prix d'ailleurs. C'est deux fois une honte. De la chiasse. Ah, c'est Chevalier Noir qui gagne cette voie.